Le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrack, est passé à Val d'Isère à l'hôtel Le Savoie. Une bonne occasion pour nous de savoir si les vins sont identiques en altitude par rapport à la plaine. Alors la température, elle se gère parce qu'elle est à l'extérieur. Ici, on est dans un environnement tout à fait traditionnel. Par contre, l'humidité joue beaucoup puisque l'air est beaucoup plus sec. Et donc le palais est davantage desséché. Donc il faut éviter de servir des vins trop acides et surtout des vins trop tanniques. Parce que sinon, le palais est anesthésié presque beaucoup plus que dans d'autres types d'endroits. Mais également le gaz carbonique. Il y a souvent des vins qui perlent légèrement et puis ça passe, j'allais dire, très facilement à une altitude classique. Dès qu'on monte un peu, le phénomène de la pression atmosphérique fait qu'on arrive à une sorte de dégazage et on a l'impression d'une effervescence qu'on n'avait absolument pas du tout eue. Philippe Forbrack propose en ce mois de février une carte spéciale au restaurant Le Grain de Sel de l'hôtel Le Savoie, constituée d'un alliage subtil entre les vins qu'il propose et la cuisine d'Alexandre Fabrice, le chef de ce restaurant.